fallait y penser. Tenir sa droite en marche arrière, c'est rester à gauche et c'est aussi, en somme, avoir son avenir derrière soi. C'est un projet punitif pour nos classes moyennes et nos classes populaires. Donc ne soyez pas rassurés. Ne soyez pas rassurés. L'assurance chômage, c'est fini. Et donc vous ne pouvez plus me dire « j'ai droit au chômage ». C'est un projet radical et il faut l'assumer. Je serai l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Mes chers compatriotes, vive le capital, vive le capital, vive la France. J'ai l'amour de moi-même et une contemplation narcissique à l'égard de votre serviteur. Vous noterez que c'est assez désagréable, mais il faudra vous y habituer. Parce que l'indécence, les privilèges, ce sont des risques, mais aussi de formidables opportunités. C'est l'objectif premier, la boussole qui doit nous guider, du public au privé. Je serai l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Mes chers compatriotes, vive le capital, vive le capital, vive la France. Je suis le reflet des classes les plus aisées. Et franchement, si j'étais de gauche, je n'aurais pas fait tout ce chemin, cher monsieur. Je suis le candidat de l'oligarchie financière, un ancien banquier. Donc oui, avec beaucoup de fierté, je continuerai à faire le lit du Front National, cher ami. Je serai l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Mes chers compatriotes, vive le capital, vive le capital, vive la France. Vous avez des libertés dans ce système ? Celle de surcotiser pour acquérir des droits supplémentaires, c'est cela ce que je propose. Voilà la philosophie qui sera la mienne. Et donc il y aura une vraie révolution. Il y a des têtes qu'il faut couper. Et donc en particulier la mienne, voilà. Et j'assume pleinement sur le plan politique cette aventure. Je serai l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Mes chers compatriotes, vive le capital, vive le capital, vive la France. Et donc il y aura une vraie révolution. Et donc il y aura une vraie révolution. Une vraie révolution. Et donc il y aura une vraie révolution. Et donc il y aura une vraie révolution. C'est ce que veut le peuple français.